Réaction Gardi Jean-Baptiste. Il y a un capitaine des ministres hier matin qui dit que c'est motocyclette qui a tiré la manifestation, c'est motocyclette qui a vu la gaz, c'est au Vina Wash. Et côté que le ministre a eu une information malhonnête, côté que le secteur moto est vaste, très vaste, nous bien content ce ministre qui vient avec le dossier ça. Et nous-mêmes, ANDP-CTA, quand nous voulons jeter l'accusation au ministre fait sous nous, ce n'est pas nous-mêmes qui entrons dans le travail de la ministre. Parce que nous sommes des citoyens qui sont dans la rue, qui travaillent pour aider les familles. Et 7 août, 14 août, il y a un gros bagage qui fait au niveau de la motocyclette. Nous-mêmes, ANDP-CTA, nous prenons responsabilité pour nous chiter avec chaque grain haïtien dans le pays pour nous comment nous avons une solution dans le secteur avec l'État haïtien. Parti politique haïtien pour Haïti présenté mercredi à un document diagnostic qui relève 31 ans d'échec mirage dans les sables mouvants de l'arène politique haïtienne pour montrer l'État a failli. Dans une conférence pour la presse, secrétaire exécutif national parti a Jonas Kofi qui présentait un tableau sombre sous état pays a mandé pour gagner un camp qui fait dans développement situation politique là, lui proposer pour chef l'État prendre mesi pour pays a capable gouverner. Jonas Kofi, dans le micro, Gaston Joseph. Haïtien pour Haïti dit c'est un environnement explosif ça. Administration Moïse Lafontaine choisit d'augmenter une pression fiscale qui consistait à l'augmentation exorbitante des taxes et impôts sous des documents que nous connaissons qui sont essentiels. Et mes pressions fiscales, ça, ils viennent dans un moment, côté que vous gagnez moun ki pi pauvre, yo, ouvriers, qui a boumé pour si vous joignez un salaire minimum décent, un salaire qui est capable de répondre à besoins quotidiens, et jusqu'à présent, bagay ça, li pa ka fait. Et nous, et pouvoir, au lieu que l'État augmenter salaire mounsayo pour permettre que pouvoir d'achat mounsayo yo améliorer, eh bien nous voyons que yo choisi la gayon adoken en yo et puis yo bay nanti yo toute possibilité passer sous frontière yo avec des produits que yo pas payer douane, yo pas payer taxes. Eh bien c'est ça qui conduit le pays d'Haïti dans une situation explosive, la vive journée aujourd'hui. Et côté que nous gagnons une inflation galopante qui affecte tout produit première nécessité, voilà en gros, nous sommes capables de dire qui fait ça nous est dans la rue, côté que manifestation à droite à gauche, et bagay ça, ce n'est pas aujourd'hui. Il a répété, c'est depuis 1986. Si ce n'est pas vous-même, eh bien, voulez, faut aller. Si c'est moi-même, voulez, faut m'aller. C'est parce que, dirigeant nous, il n'y a pas de bonne vision réelle pour le pays. C'est parce que, tout, vini, au toi que je m'y mette. Eh bien, il vini faire l'argent, m'entrer dans le pouvoir, faire l'argent, pour régler les affaires, madame yo, à petit yo. Haïtien pour Haïti dénoncer l'état ça que yo imposé yo. Yon état pourri, mafieux et inefficace que personne, femme et garçon, qui a fait politique de 1986, côté yo pas assuré, ça relo, yon justice, yo pas assuré, yon service de justice, yon service de l'éducation, yon service de santé. Qui fait jodi a la société en général est en crise. Nous avons une crise judiciaire, nous avons une crise de santé, nous avons une crise éducation, l'université est en crise. Eh bien, jodi a problème pays a traversé là, c'est dans l'université yo pour yo tap débattre. Eh bien, l'université yo tout yo en crise. Eh bien, trois décennies, ça, yo perdu. Pas gen absolument rien qui fait là-dedans, yo. Femme ap garçon qui a fait politique de 1986 à date journée jodia,
yo pat montre yo à la hauteur de défi historique que peuple haïtien te mande yo pour te gouverner. Soubapal, premier conseiller Sagio na Haïtien pour Haïti, Jean-Franz Lasserre, mandé pour gagner l'autre société ak yon l'autre l'État en Haïti. Les mêmes tout dénoncé des autres qui toujours ap fait 30 dernières années yo. Tout le monde qui passait sous pouvoir, dernière année sa yo, c'est inculpé d'après considération Jean-Franz Lasserre. 31 ans après 1986 à nos jours, le secrétariat exécutif du Parti national, du Parti haïtien ou Haïti, eh bien, nous produit un document diagnostique qui c'est 31 ans d'échec mirage dans les sables mouvants de l'arène politique haïtienne. Côté, sur la base de recherche, sur la base de constats que nous faisons, eh bien, nous voyons que l'État Sahara, l'État pays d'Haïti, l'État Sahara, je veux dire là, il faillit. Il faillit pour plusieurs raisons. Et c'est justement document ça que nous soumettons à la presse, que nous soumettons à PIA, bien entendu, au fait d'analyse et de compréhension pour nous stopper des zones qui sont dans le PIA depuis 31 ans, côté ces mêmes situations qu'à répéter encore. Dans l'actualité internationale, là, au Kenya, plusieurs centaines de membres d'opposition ont manifesté mercredi dans la deuxième ville pays, quartier général Lideyoa, Raila Odinga. Malgré tension politique la montée 17 août, la Cour suprême a annoncé élection yo toujours kembe pour jeudi. Odinga a finalement laissé quoi la kembe partisan yo la kayo dans l'occasion journée électorale. Là. En Chine, Xi Jinping rete nan tèt peyi a ak yon nouvo mandat 5 lanè, Parti communiste la Bali, ki vle di plein pouvoir, piske nol nan maman loi peyi a, menm jan ak Mao Tse-toun. Komite central parti a nomen Xi, sekretèr général, pendant 19e kongre a, ki déroulé nan Pekin. De senatè républicain frape président américain Donald Trump, fort en pil, la yo kritike jan lap dirije peyi a mal, ak stil lider li reprezenté a, ki kontre ak demokrasi a. Sénateur Arizona Jeff Flake décidé pas représenter pour un autre mandat pour le capable gagner liberté pour le parler devant Jean Valet États-Unis yo a pas fini. Bob Corker sous Bob Pal dénoncé Trump qui a la vérité tant que les taxis trompe. En Espagne, Carles Puigdemont finalement pas accepté invitation autorité espagnole yo pour y aller devant Sénat. L'idée indépendantiste là a fait une déclaration pito devant Parlement catalan là. En Irak, autorité kurdio annoncé yo campé sous projet indépendance là dans moment l'armée irakienne là ak Peshmerga yo nan troke kon depuis résultat référendum là. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui a visité République Centrafricaine salier courage 12500 casques blé qui déployé dans pays ça malgré milice qui partager territoire pas suspend attaqué yo. La Russie mettait opposition contre résolution Nations Unies qui voulait prolonger enquête sur utilisation d'armes chimiques en Syrie. Plus de détails avec Euronews. Dans la rue pour boycotter les élections présidentielles au Kenya, des centaines de membres de l'opposition ont manifesté mercredi à Kisumu, la troisième ville du pays, le fief du leader de l'opposition Raila Odinga. Mais leurs espoirs ne sont plus d'actualité. La Cour suprême, qui avait pris la décision historique d'annuler la réélection en août du président sortant Uhuru Kenyatta, vient d'annoncer qu'elle ne pouvait pas siéger faute de personnel suffisant. L'élection présidentielle se tiendra donc bien jeudi. Nous ne pouvons pas former un quorum conformément à l'article 163.2 de la Constitution. L'affaire ne peut pas être entendue ce matin. Une fois encore, je tiens à vous présenter mes excuses. Merci. Once again, my apologies to all of you. Thank you. Tous les regards sont désormais tournés vers Raila Odinga qui doit donner ses consignes de vote. Dans un premier temps, il avait appelé à des manifestations le jour du scrutin, faisant craindre de nouvelles violences. Raila Odinga a finalement laissé entendre qu'il pourrait appeler ses supporters à rester chez eux. Au moins 40 personnes ont été tuées depuis le 8 août, la plupart dans la répression brutale des manifestations par la police dans des bastions de l'opposition, selon les organisations de défense des droits de l'homme.
Jinping enchaîne les sacres sans surprise. Après avoir vu son nom inscrit dans la constitution à l'égal de Mao, il vient d'être reconduit à la tête du Parti communiste chinois pour un mandat de 5 ans. Le comité central l'a élu secrétaire général aux côtés de 6 autres membres permanents du bureau politique, un pouvoir incontesté qui légitime son règne. Je prends cela non seulement comme une approbation envers mon travail, mais aussi comme un encouragement qui me poussera à aller de l'avant. Xi Jinping, arrivé au pouvoir fin 2012, est assuré d'obtenir un nouveau mandat de président de la République populaire en mars prochain et de marquer l'histoire de la Chine moderne de son empreinte. Donald Trump vient de subir plusieurs attaques frontales et cette fois-ci, elles viennent de son propre camp. Le sénateur de l'Arizona, Jeff Flake, poids lourd du Parti républicain, n'a pas hésité mardi à charger le président américain, allant même jusqu'à renoncer à briguer un nouveau mandat pour les législatives de l'an prochain. L'idée que l'on devrait garder le silence alors que les normes et les valeurs de notre pays sont sapées et que nos alliances sont menacées par des publications sur Twitter. Cette idée que nous ne devrions rien dire ou ne rien faire face à un tel comportement est dépassée, et je le crois profondément erroné. L'autre invective, elle vient du sénateur républicain Bob Corker. Cadre du parti, il a dénoncé les contre-vérités répétées du président Trump. Réponse immédiate de l'intéressé sur les réseaux sociaux, le sénateur du Tennessee est incompétent. Je pense que les habitants du Tennessee, de l'Arizona ont soutenu ce président et je ne pense pas que leur nombre soit favorable à l'un ou à l'autre de ces deux sénateurs dans leur état. Et donc je pense que c'était probablement la bonne décision. Des voix discordantes qui attestent d'un profond malaise au sein même de la majorité. Le président de la région catalane, Carles Puigdemont, a décliné l'invitation des autorités espagnoles et n'ira pas au Sénat. L'information est révélée par un porte-parole du leader indépendantiste qui fera en revanche une déclaration devant le Parlement catalan ce jeudi après-midi. Carles Puigdemont ne précise pas s'il compte déclarer l'indépendance de la Catalogne, annoncer des élections anticipées ou bien faire une proposition de sortie de crise à la veille du vote du Sénat espagnol. La Chambre haute du Parlement espagnol doit en effet voter ce vendredi sur l'article 155. En cas de validation, le gouvernement espagnol sera légalement autorisé à destituer l'exécutif catalan. L'indépendance du Kurdistan irakien est suspendue. Une annonce faite par les autorités kurdes quelques semaines seulement après l'organisation d'un référendum où le oui avait remporté à plus de 90%. Les Kurdes ont également appelé un cessez-le-feu avec Bagdad dans le conflit qui les oppose à l'autorité centrale irakienne. Dans son communiqué, le gouvernement du Kurdistan se dit prêt à entamer un dialogue. Depuis début octobre, l'armée irakienne reprend petit à petit le territoire grignoté par les Peshmerga. Les affrontements, parfois très violents, ont fait plusieurs morts des deux côtés, des soldats mais aussi des civils, une situation qui a poussé le Parlement kurde à reporter les élections de 8 mois. Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme en Centrafrique, un pays emporté chaque jour un peu plus par la violence. Dans la capitale Bangui, première étape d'une visite de 4 jours, le secrétaire général de l'ONU a rendu hommage aux 12 500 casques bleus de l'opération MINUSCA, régulièrement pris pour cible par les milices armées. Nous devons nous assurer que le monde considère à sa juste valeur la contribution héroïque des soldats de la paix qui protègent les civils dans des conditions parfois extrêmement difficiles, comme celle qui nous fait face en République centrafricaine. Qu'a fui les combats entre les rebelles anti-Balaka et la coalition Seleka qui s'était emparée du pouvoir en 2013. Face à la catastrophe, François Hollande déclenchait alors l'opération Sangaris visant à désarmer les deux parties. Depuis le départ des soldats français il y a tout juste un an, les tueries s'enchaînent, le gouvernement ne contrôle plus que 20% du territoire, les ONG n'ont d'autre choix que de partir. L'ONU, qui évoque des signes avant-coureurs de génocide, demande l'envoi de 900 casques bleus supplémentaires
dans le pays qu'elle considère être le moins développé de la planète. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution... Protéger l'allié syrien coûte que coûte. Ce mardi, la Russie a opposé son veto à une résolution de l'ONU pour prolonger l'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. C'est la 9e fois que Moscou utilise son droit de veto en faveur de Damas. La Russie reproche aux Nations Unies l'organisation du vote avant même la publication des premiers résultats de l'enquête. Cette résolution a pour but de déshonorer une fois de plus la Russie. Mais je veux aussi dire clairement que la décision d'aujourd'hui n'aura aucun impact sur l'avenir de la commission d'enquête et que celle-ci suivra son cours de la même façon que d'habitude. Les États-Unis regrettent profondément qu'un membre de ce Conseil ait opposé son veto à ce texte, favorisant des considérations politiques au détriment de la vie de civils syriens qui ont été tués à cause de l'utilisation d'armes chimiques. Mardi 4 avril 2017, une attaque au gaz sarin a causé la mort de 100 à 200 civils. Selon une commission d'enquête de l'ONU, l'aviation syrienne serait à l'origine de l'offensive, une conclusion contestée par Damas, pour qui des djihadistes de l'État islamique sont les seuls responsables de cette attaque au gaz sarin.